À 80 ans passés, Siné n'a plus le pas très alerte, mais il n'a pas perdu sa verve combative et il réfute avec virulence l'accusation d'incitation à la haine raciale. Ben, ça me pue au nez, ça me dégoûte, enfin je sais pas, je suis révolté. Donc je vais essayer de leur faire comprendre qu'ils se trompent et qu'ils jouent de cible, quoi. Il va vraiment mieux de chasser les vrais connards, les antisémites. C'est pas mon cas, quoi. Ils veulent ma peau pour un tas d'autres raisons, parce que je suis anti-sarkozyste, anti-colonialiste, anti-israélien. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'ils veulent me descendre. On reproche à Siné deux chroniques parues l'an dernier dans Charlie Hebdo. Dans l'une, il ironisait sur la conversion au judaïsme du fils de Nicolas Sarkozy. Dans l'autre, il s'en prenait aux femmes musulmanes voilées, déclarant, je cite, avoir envie de leur botter le cul. De l'humour, selon Guy Bedos, venu apporter son soutien à Siné. Bien, je connais Siné depuis un demi-siècle et je suis venu dire mon avis sur tout ce qu'on lui reproche, qui me paraît très malvenu. Voilà, très déplacé. Vous savez, j'ai une formule. L'humour est une langue étrangère et pour certains, il faudrait ajouter des sous-titres. Voilà. En tout cas, la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, n'a pas trouvé ça drôle du tout. C'est elle qui poursuit Siné. Ouais, pour moi, c'est un vrai symbole de ce qu'on ne doit plus dire, d'un vieux monsieur qui ne sait plus ce qu'il dit et qui, de temps en temps, dit des choses qui sont intolérables et qui blessent l'autre. Écoutez, je crois que le masque tombe, le vrai Siné apparaît. Je veux dire, c'est pardonnez l'expression, mais c'est le gros beauf, quoi. Je veux dire, c'est vraiment les arguments que l'on voit dans les milieux d'extrême droite. Il y en a de partout, je vais au supermarché, ces femmes voilées, il y en a marre, il y en a de... Bon, ben voilà, c'est vraiment le discours de ses camarades, de Alain Soral et autres, c'est-à-dire des gens qui sont passés de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et c'est ça qui est affligeant. Cet après-midi, le philosophe Bernard-Henri Lévy est venu témoigner de son indignation au propos de Siné. Un procès à Lyon, mais somme toute très parisien, puisque l'actuel directeur de Charlie Hebdo, Philippe Val, qui a depuis licencié Siné, était là lui aussi. Mais il n'a pas souhaité s'exprimer, estimant que c'était un procès entre la LICRA et son ex-dessinateur.